de choix. Le cul de choix. Le cul de choix. Le Jésus a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Acclamons pour Jésus. Acclamons-le. Acclamons-le. Vandi, 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 Vand
Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous avons comme invité le président Béton, Fatty Béton. Son Excellence, bonsoir. Très chers compatriotes. S'il vous plaît, le président parle. Je tiens à dire et à remercier même le pasteur. Je pense que je veux venir de temps en temps pour prier ici. Je veux venir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci, Dauphin, pour la bataille. Nous allons faire le décompte ensemble. OK. 3, 2, 1. Joyeux anniversaire. Maboko Milolo, on a papa na biso. Le nouveau-né coupe le gâteau d'anniversaire. Joyeux anniversaire! Révérend Moutombo, je suis vraiment honoré par votre modestie. J'ai été touché par votre humilité, le prestige du Saint-Esprit sur vous et je suis très heureux de votre anniversaire. Dieu va encore ajouter des coudées à votre vie. Et ces coudées seront enrichies de toutes sortes de bénédictions pour que votre ministère soit fructueux, davantage fructueux, que davantage d'hommes, de femmes, d'enfants soient édifiés, encouragés, fortifiés par la sagesse que Dieu vous donne et surtout son onction qui est sa présence qui ne vous fera point défaut. Merci encore et à très bientôt. Joyeux anniversaire, cher Léopold. Que le Dieu des grâces, le Dieu des miséricordes continue à te donner une bonne santé, de la vigueur, de la sagesse pour continuer à le servir avec zèle et amour comme tu l'as fait depuis ta tendre jeunesse. Tu as beaucoup accompli sur cette terre et je voudrais te dire que il te reste encore beaucoup à faire. Il te reste encore beaucoup à donner parce que tu n'es pas seulement béni, tu es une source de bénédiction pour plusieurs, comme Abraham l'a été et qu'il continue à l'être d'ailleurs aujourd'hui. Sois béni, sois comblé de grâce, que le Seigneur des miséricordes soit ta force, que Jésus-Christ te tienne par la main, qu'il marche lui-même avec toi vers des horizons toujours infinis et vers des œuvres toujours plus grandes. Pleine bénédiction, joyeux anniversaire, homme de Dieu, bénédiction dans ta famille, bénédiction dans ta vie et dans ton ministère. Joyeux anniversaire. Apóstol Leopold, feliz cumpleaños. El Señor bendiga tu vida, bendiga tus caminos. Y esta es la bendición con la que quiero bendecirte. Puertas que a nadie se le abren, se abran delante de suyo. Caminos por el que ninguno ha entrado, Dios le permita entrar. Y que la mano de Dios esté sobre tu vida, dirigiéndote, guiándote,
prosperándote, cuidándote, y Dios nos permita verle muy pronto con toda la familia. ¡Feliz cumpleaños! Quand j'ai regardé la vidéo de présentation du ministère de l'apôtre qui était balancée durant le congrès mondial, ma question était: que ressent toute cette multitude qui assiste à ces réunions? Et c'est ce désir d'aller puiser et boire à la source qui m'attire, et la profondeur de messages et prédications qu'il enseigne. Nous sommes donc venus pour expérimenter notre Soubeaka. Nous voulons monter en dimension, connaître l'ascension. Appelle-moi mes amis de Mexique et de Bogota. Venez, venez. Tu ne rentreras pas. You will not go back. Comme tu es venu. In the same way you came in. Un excédent. Is an excess de gloire et de puissance of glory and power descend sur toi. Is falling on you. Receive it. Receive it. Alléluia. Llevábamos algún tiempo, de hecho llevaba varios años pidiendo y clamando al Señor que pudiese traer un bebé. Así que el Señor nos abrió las puertas e hicimos este viaje a África, al Congo. Encontramos al apóstol Leopold en su casa, en privado oró por nosotros y Dios contestó su oración. Y aquí está gracia, la respuesta que estuvimos esperando, mi esposo y yo. Así que doy gracias al Señor Jesucristo por la vida del apóstol. Felices, deseándote un feliz cumpleaños desde Colombia. Con esta gran bendición, te deseamos un feliz, feliz, feliz cumpleaños. Bueno, no más decir que estamos muy agradecidos por todo ese amor que recibimos, por todo ese cariño. Y aquí viendo, aquí está gracia, gracia les ama, el cumplimiento de una promesa profética que recibimos. Y bueno, muy felices de poder compartir con ustedes. Lo amamos, lo bendecimos, decretamos un año de más victorias. Que Dios lo bendiga mucho. Le mandamos mucho amor desde Colombia y desde México. ¡Feliz cumpleaños! Hi, greetings in the name of the Lord Jesus Christ. This is Pastor Bonaventure. I'm from Pakistan. Today, I'm so excited to wish Apostle Leopold Mutombo happy birthday. We are so excited because we wish you, and you are really, really blessed man of God. I appreciate you, and God is using you all over the world. We are praying for you and for your church. Thank you so much. God bless you. All the way from Accra, Ghana, I want to wish Apostle Leopold Mutombo a blessed, glorious, happy birthday. May God favor you. May God establish you, yourself, the family, the whole Amen Ministries. I want to say I'm so happy that God has given you another life. As a matter of fact, God is doing something so new, something so unique in this season. And as your days are, so shall your strength be. All the way from Accra, Ghana, I'm Prophet Daniel Amuatin from Power of Worship International. Last year, you came to shut down the place with the glory and the power and the miracles of God. And we're still thinking about it. How I wish I could have been there, but I know I'll be there very, very soon. Apostle, may God bless you. Martin Luther King Jr. of blessed memory, he said something. He said, if you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But whatever you do, keep on moving forward. Apostle, keep on moving forward. God bless you very much. In the name of Jesus, may God bless you so very much. My regards to everyone, and also my brother, Simeon. Bless you. A glorious birthday. I know you're going to have a wonderful time. Thank you. Bye. Greetings from India. And I salute you on your special day, sir. The father of our generation, the mighty general of God, the great man of God, Apostle Leopold Mutombo Colombo. Sir, I salute you and I greet you, and I want to specially wish you on your special day. Happy birthday to you. Happy long life to you. May God increase the number of your days. May God fulfill your dreams beyond your imagination. As you enter another mileage of your year, may you increase in wisdom. May you increase in the mighty anointing. May you continue to impact the world for the glory of the Lord. Happy birthday
the great man of God, the mighty general, the father of our generation, the patriarch. I salute you, sir. May you live long, and may God increase your days with favor. May God enlarge your territory more and more. Sir, I bless you, and sir, I wish you happy long life and happy birthday to you. May God bless you so much. May God increase your days. The number of your days shall be fulfilled, and may you impact the world even in a greater way. May God bless you. May God continue to increase you. Amen. Shalom. La vie sur terre est faite de plusieurs cycles, comme les cycles d'une femme. Dans le monde spirituel, notre vie aussi est faite de cycles. À un moment, nous sommes comme une semence au bout d'un certain âge qui tombe dans la terre. Puis les gens croient qu'on n'existe plus. Nous commençons à bourgeonner, nous devenons un arbre, soumis aux lois de la photosynthèse. Nous grandissons, on peut couper des branches, mais les fleurs qui tombent marquent la fin d'un cycle. Puis nous régénérons. Laisse que ma célébration soit ta régénération. Amen. La célébration d'aujourd'hui marque la fin et le début d'un cycle pour ta vie. Amen. Pour ta carrière, pour tes affaires, pour ta destinée ici sur terre. C'est la fin d'un cycle et tu sors encore de la terre comme une présence, comme une existence, comme une présence agissante et vivante. Sois cet homme, cette femme-là, et dès aujourd'hui, à la suite de temps, gens te retrouvent de l'autre côté, non pas de cet ancien côté où vous vous rencontrez souvent. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre cycle. Amen. Que ma célébration dans le monde, dans le régime spirituel, annonce ta régénération, ta résurrection, ta renaissance. Je parle à ton sang, et ton sang a une voix. Entends ma voix, et tu dis Amen.